Alors, bonjour à nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous pose la question, Jean-François Lépine, de qui, de quoi êtes-vous le contemporain? Bien, je pense peut-être que je suis le contemporain de tous ces gens qui, surtout à la faveur du développement des communications sur la planète, croient de plus en plus qu'on peut faire bouger le monde, pourvu qu'on ait le courage de ses idées et que, surtout, qu'on le fasse ensemble. Et je pense que c'est vraiment un trait de caractère de la planète. Et puis, je suis très inspiré ces temps-ci d'un personnage qui s'appelle Kumi Naidoo, qui a été un des leaders de la révolte qui a mené à la fin de l'apartheid, et qui, justement, raconte quelque chose d'extraordinaire. Où est-ce qu'il dit d'abord que le courage, c'est contagieux, mais il dit aussi une chose que j'ai trouvée, que je trouve extraordinaire. Il dit, en fait, toutes les révolutions ou tous les grands changements ont été faits par des gens ordinaires. C'est faux de penser que ce sont des gens extraordinaires qui ont fait les révolutions. Il y a peut-être des gens qui ont démarré des mouvements, mais tout a été fait par des gens ordinaires. Et aujourd'hui, avec le multiplicateur, par exemple, des médias sociaux, des communications de pointe, on le sait, un mouvement peut prendre une dimension absolument extraordinaire en peu de temps, et pourvu, encore une fois, qu'on ait le courage ou la vision de le démarrer.